Frères et sœurs, chers amis, membres de la grande famille de Dieu, bonjour. Nous comptons, nous disons bon Dieu merci pour une très très belle semaine et permettre de nous passer en bien. Pendant ce moment, nous avons fait un bel voyage dans la cinquième leçon et nous sommes certains que nous allons apprendre davantage. Je dis en ces derniers jours, côté que nous allons conclure la leçon. Nous voulons remercier chaque ami, chaque frère, chaque sœur qui était avec nous pendant toute semaine, qui était participé et qui était bail le son en valeur, qui était rendre le son en plus belle. Nous disons merci, mon Dieu, moi qui pas béni. Leçon 5, chanter le chant du Seigneur sur une terre étrangère. Verset à mémoriser, ou du moins verset nous qui est béa, parce que pendant ce moment, nous n'avons pas pris le verset. Hein? Comment chanterions-nous le chant du Seigneur sur une terre étrangère? Le psaume 137, verset 4. Éternel Père des cieux, nous disons merci. Merci pour une très belle leçon que tu as voyée pour nous. Pendant ce moment-là, nous t'es vraiment apprendre de parole. Nous demandons au Seigneur aidez-nous à faire plus confiance chaque jour dans la vie, nous. Et même lorsque nous arrivons dans un moment qui est plus difficile dans la vie, nous, yo. Pour que nous soyons capables toujours continuer à faire confiance. Sanctifiez-nous, purifiez-nous, restez avec nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Frères et sœurs, nous sommes yo te dit nous que nous n'avons pas besoin d'aller très loin pour nous capables de découvrir que nous avons créé, ou du moins que nous avons composé dans un monde qui est imparfait. Dans un monde côté que péché, l'état régné, côté que mal, souffrance, la mort, c'est eux-mêmes qui t'a fait ravage. Donc, après que mon Dieu t'ait fini créer belle création, ça, que lui-même t'ait fait pour l'homme, t'es capable de vivre bien, mais nous, mal là, t'es rentré. Et c'était complètement corruption qui vient à contrôler monde, ça, qui vient à faire ravage sous monde, ça. Et pour petit bon Dieu, yo, la terre, vient une terre étrangère, parce que ça que mon Dieu t'ait voulu pour nous dès le commencement, donc, ce n'est pas ça, la vie, je veux dire, c'est complètement des choses différentes. Donc, c'est ça qui fait la terre venir l'autre bagaille pour nous. Et nous, à travers les psaumes, nous avons un jour malheur, comment nous-mêmes, nous souvent, à plaindre, ou du moins à raconter, bon Dieu, problème nous. Yo. Et nous, psalmistes, yo, même gens, il était toujours à chercher bon Dieu, à chercher et secours l'Éternel dans les moments difficiles. Et nous parlons que même Jean, lorsque le temple de Jérusalem a été détruit, donc ça t'a fait un scandale. Parce que c'était un moment pour que non bon Dieu, c'est une occasion que. Moun ki pa t'ap servi bon Dieu, ou jwenn moun ki te kont bon Dieu, te joine, ki te kapab blasfeme le nom de Dieu. Non seulement non bon Dieu, mais peuple Israël la te vraiment, c'était une déception que te pour peuple ça, pour nation ça. Qui c'est un peuple bon Dieu qui recevra pile promesse de Dieu, donc qui c'est peuple qui représente bon Dieu, hein? Et c'est lui-même qui t'a pas le prendre déception, ça. Et nous parlons nous-mêmes, tous frères et sœurs. Lorsque nous prenons une déception, donc, ce n'est pas seulement un bagaille pour nous-mêmes, ou du moins un bagaille pour nous qui suivent nous, mais c'est une déception pour mon Dieu. Et nous avons une déception pour Israël, là. C'était à cause de péché, de ça que tu as fait qui était mal. Donc nous-mêmes tout, lorsque nous avons fait des choses mal, nous prenons des déceptions, eh bien nous parlons comment nous rendons non bon Dieu blasphémé. Et c'est ça que fait, frères et sœurs, lorsque nous avons péché, nous avons fait barrer qui mal, bon Dieu va quitter ça passer comme ça. Donc quand bien même, il faut que lui punisse nous. Parce que conséquence péché, c'est la mort.
Donc, lorsque nous avons comporté nous mal, nous avons fait ça qui n'est pas bon. Donc, nous rendons non seulement nos bon Dieu blasphémés, et l'évangile que bon Dieu confie nous pour nous capables de prêcher, nous venons rendre que nous pas capables de prêcher bien. Parce que l'action n'est pas agréable. Nous jouons l'autre monde, nous venons faire l'autre monde à grindant, à battre plaisir sous peuple Seigneur. Parce que tout simplement, nous conduisons dans mauvaise route, dans mauvais chemin. Nous faisons jeter discrédit sous peuple Seigneur, sous l'évangile. C'est ça que fait, nous avons servi mon Dieu. Les mandés ont exigence. Les mandés pour une capacité marcher dans la perfection, même Jean-Jésus dit que les mêmes, les parfaits, eh bien, les tarés, mais nous-mêmes en tant que peuple, pour une capacité parfaite aussi. Nous te voyons à l'antique de la mort. Donc, dans le moment difficile, frères et sœurs, dans le moment souffrance, dans le moment dur, même au seuil de la mort. Parce que nous-mêmes chrétiens, ça ne veut pas dire parce que nous chrétiens, nous ne pouvons pas souffrir, nous ne pouvons pas malades, nous ne pouvons pas mourir. Non. Nous avons subi toutes conséquences là-haut. Mais ça qui est important, même au seuil de la mort, nous sommes supposés être confiants dans le bon Dieu. Parce que, bien parfois, nous souffrons, c'est parce que nous faisons des bagailles. Donc, ça que nous faisons, nous payons les conséquences qui rendent nous à souffrir. C'est ça qui fait l'important pour nous capables de demander pardon lorsque nous commettons une erreur, un péché, pour nous apprendre à demander pardon. Mais comme ça, tout le bagaille que nous faisons, il y a des souffrances que nous avons endurées, ce n'est pas parce que nous faisons un bagage qui mal. C'est naturellement, donc nous souffrons. C'est ça que fait. Quelle que soit la situation difficile que nous avons endurée, quelle que soit la souffrance que nous sommes capables de rencontrer, même au seuil de la mort, donc nous supposons être confiants, être fermes dans le bon Dieu, parce que c'est lui-même seul qui est capable de délivrer nous dans quelle que soit la situation que nous vivons. Et en pile fois, lorsque nous trouvons nous dans un moment difficile, ça a passé des moments durs dans la vie, nous conjoignons l'autre monde qui a demandé, côté bon Dieu, nous. Côté bon Dieu, nous. Pour qui ça l'équité n'a souffert comme ça? Nous, c'est ça qui t'a traversé, psalmiste. Côté que psalmiste t'a parlé, comment bon Dieu abandonné, il sentit li loin, il sentit li seul, il semblait avec un pélican qui trouvait li dans le désert. Parce que il était senti bon Dieu abandonné li. Et il a crié. Mais ça qui est plus important, c'est que psalmiste n'a pas choisi de silence. Malgré lui, bon Dieu, il semblait faire silence, mais lui-même, il n'a pas choisi de silence. Il a décidé de chercher l'Éternel. Parce que lorsque nous sommes en difficulté, nous sommes supposés apprendre, chercher l'Éternel, demander bon Dieu côté lui. Parce que, en dépit de tout, psalmiste s'en connaît. Il n'est pas capable de sauver tête lui. Donc, quand même, c'est bon Dieu pour sauver. Donc, si quelqu'un veut le chercher, c'est bon Dieu pour le chercher. Et ça fait le tapement de, est-ce que parole Seigneur allait disparaître? Non. Ça que Mel dit, ça que Bouche lui dit, Mel a pas accompli. Et c'est ça qui va le rendre psalmiste lui-même. Il vient reprendre force lui parce que le connaît bon Dieu. Il n'est pas jamais menti dans la parole. Il n'est pas jamais abandonné petit. Il n'est pas jamais laissé petit. Quelle que soit la situation que nous vivons, que nous sommes capables de rencontrer dans la vie, nous, donc bon Dieu est toujours ensemble avec nous. Et c'est pour ça que je demandais que juste Dieu n'a pas tenté. Parce que lorsque nous suivons, nous voyons comment parfois méchant a bien passé. Comment méchant a fleuri. Comment a grandi, comment a prospéré. Mais parfois, on a questionné tête nous. Pour qui ça, c'est le monde qui a fait mal, qui a grandi comme ça. C'est eux qui a progressé, c'est eux qui a prospéré. Mais c'est que, à travers le livre des Psaumes, ils apprennent nous que si méchant a grandi, s'il a prospéré,
c'est pas pour sans raison, c'est pour capable anéantir. Parce que bon Dieu, il n'est pas passé à côté de jugement que le gagne. Bon Dieu, il est pour venir juger chaque monde, tout le monde. Il est pour venir juger. Et non seulement la juger, mais la prononcer sentence. Donc, même si nous, un monde qui a fait mal, il a bien vivre, quittez-vous. Si vous n'avez pas repenti, parce que vous avez un jour, bon Dieu a dit c'est assez. Et il y a tout aussi pour récompenser le monde qui a fait du bien, petit Léo. Donc, frères et sœurs, en conclusion, leçon, hein? Je dis nous, même Jean, Salmissier, ou même, je te confère là, à travers tout le temps, croyant, yo toujours prendre des temps. Comment on capable chanter? Yo chant pour bon Dieu sur un terre étranger. Foi nous, li toujours mettez à l'épreuve. Et parfois épreuve yo kon très difficile. Parfois kon une situation qui tellement atroce. On dit est-ce qu'on va faire l'orange, hein? Pour qui ça va faire l'orange? Comment on va faire l'orange dans situation ça que on va vivre là? On demande est-ce que mon Dieu pas gain contrôle ça va passer? Est-ce que mon Dieu pas ouais? Est-ce que mon Dieu pas tant d'écrit ou? On même rivé dans moment. Ou sent tout découragé. Eh bien frères et sœurs, yo dit nous lorsque nous trouvons nous face à difficulté ça yo, bon Dieu semble que les absents dans la vie nous. Des difficultés que nous sentons nous pas capables de supporter. Il y a un bagage qui est important, c'est la confiance. Parce que sans la confiance, nous pas capables d'arriver remporter la victoire. Faut nous toujours comprendre, ou du moins songer que bon Dieu son Dieu d'amour et bon Dieu fidèle en promesse. Ça disait oui et amen. Il pas qu'on abandonne petit li. Donc c'est ça qui est important. La confiance. Et psalm mission nous voyons bay nous exemple. Même sou wè y a crié, y a mandé, y a questionné bon Dieu, y a mandé côté Seigneur, mais à la fin pour le voir que de faire un acte de confiance. Et nous-mêmes, exemple ça yo, nous supposons suivre yo. Nous supposons garder tout ça bon Dieu fait pour nous. Oui, c'est un chambre crémé en pile. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Si chaque fois que problème yo te vini, difficulté yo te vini, nous pas garder nous te garder ça bon Dieu fait pour nous. Oui, Jean psalmiste dit Dieu est bon pour Israël. Si que nous te garder, eh bien nous t'a bien force pour nous résister dans moment difficile yo. Donc c'est ça frères et sœurs qui va bailler nous force, qui va aider foi nous grandir, qui va aider nous gagner plus confiance dans Seigneur, qui va faire espérance là pénétrer dans la vie, non, c'est lorsque nous pas garder difficulté ou mais nous garder vers la croix, nous garder l'amour bon Dieu gain pour nous, nous garder promesse que Seigneur a fait nous. Moment que bon Dieu frères et sœurs lui semble éloigner nous ou du moins semble cacher face. C'est une occasion pour nous capables de songer l'amour bon Dieu vient pour nous, salut que l'offre nous, pour nous capables de chercher l'humilité, chercher la confession, la sanctification. Parce que parfois nous grandissons, c'est lorsque nous trouvons dans des épreuves, des moments difficiles. C'est ça fait parfois bon Dieu bail nous épreuves, ce n'est pas pour sans raison, c'est pour capable affirmer foi, c'est pour capable grandir foi nous. Donc c'est moment pour nous être plus dans la prière, c'est pas moment pour nous décourager, c'est pas moment pour nous douter, mais c'est moment pour nous être dans la prière, persévérer et comme ça non seulement foi nous a grandi plus, mais
n'a besoin de solution à ça que n'a cherché. C'est le son ça frère et soeur nous t'a étudié pendant toute semaine là. Cinquième leçon intitulé comment chanterions chanter le chant du Seigneur sur une terre étrangère. Et verset à mémoriser à des jeunes qui dit comment chanterions-nous le chant du Seigneur sur une terre étrangère. Psaume 137 verset 4. Que mon Dieu capable bénir chacun de nous. Déjà moi souhaiter nous passer une agréable journée. Sur nos yeux la lui. Éternel notre Père, notre Dieu, nous disons merci pour grâce, merci pour l'amour, merci pour présence qui va jamais se manifester dans la vie. Nous demandons au Seigneur de continuer à assister nous, continuer à voyer et conseil pour nous, continuer à aider nous, Seigneur, apprendre nous à faire confiance chaque jour dans la vie. Fais-nous du bien, reste avec nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.